Alors, je vais faire une vidéo de. Je vais parler de. Comme vous avez vu que la vidéo, quand je mets Dwight, c'est qu'on va parler d'un truc d'Halloween. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler. Est-ce que j'ai noté mon petit car... dans mon petit cahier YouTube? J'ai noté pour faire la vidéo de YouTube. Alors, ça va s'appeler. Pour. Alors, j'ai marqué, vous voyez, cette page-là. Parade de d'avant, il n'y en a que cette page-là. Voilà. Cette page-là. Voilà, j'ai noté tout ça. Et donc, j'ai noté. Alors, après, j'ai noté pour faire les paragraphes de lesquels je dois vous parler pour faire la vidéo. Donc, on va parler de la biographie de Tim Burton. Vous savez que Tim Burton a fait des films, c'est pas vraiment des films d'horreur, mais on peut considérer ça comme des films d'horreur aussi, un peu aussi, parce que c'est un genre un peu gore. Pas spécialement gore fantastique et tout ça, je crois. Voilà, donc Tim Burton est né le 25 août 1958 à Bucarest, Californie. Ensuite, c'est un réalisateur, scénariste et réduit. Réalisateur, scénariste, américain, pardon, voilà, américain. Voilà. Donc Tim Burton a fait beaucoup de. Alors Tim Burton, alors il repose. Mentalement à l'Oscar. Ah oui, il remporte un Oscar du meilleur maquillage pour le film Beetlejuice. Voilà. Et il s'est fait en 35 ans de carrière, il fut une part de dans le cinéma. Il fut sa place dans le cinéma. Voilà, aussi. Parce que si vous savez aussi, bah. Si vous savez aussi. Ouais, d'accord, ok. Je ne sais même plus ce que. Bon, bref. Et Tim Burton a fait aussi. Beaucoup de films pour Disney. La plupart de ses films, c'est des Disney, en fait. Alors, il a fait L'étrange Noël de Monsieur Jack, il a fait Beetlejuice, il a fait Édouard aux mains d'argent. Après, je vous donne les plus connus que moi je connais. Après, il y en a un que je voulais prendre tout à l'heure en DVD et je me rappelle plus comment il s'appelle. Le. Ah, je sais plus du tout, attendez, je vais vous dire ça sur mon téléphone si j'arrive à le retrouver. 2 secondes. Hop, il est là, voilà. Ah, je vais vous dire tout ça. Désolé, qui me gratte. Alors, il a fait, attendez, c'était quoi déjà? C'était. Désolée. En fait, j'ai mal au fond de la gorge, ça me brûle au fond de la gorge, je suis désolée les amis. Donc si j'ai du mal à... si vous avez du mal à me comprendre, je suis désolée, mais j'ai super mal au fond de la gorge. Aujourd'hui, ça fait depuis 2 jours que je commence à avoir mal là, et ça va pas aller, hein, ça va pas en 5 000 euros. En fait, ce matin ça allait et là d'un seul coup ça commence à revenir. Donc j'ai le fond de la gorge qui me brûle un peu, voilà. Bref, c'était pas de la vidéo, voilà. Alors, tous les noms des films de Tim Burton. Alors, il a fait. Ah, c'est celui-là que je voulais vous parler aussi. Ça s'appelle. Comment s'appelle ce film? Ah, les noces funèbres. Désolé, j'ai du mal à parler vu que j'ai mal à la gorge. Avec maladie, j'ai très très mal au fond de la gorge.
Bref, alors ça s'appelle les noces funèbres. Voilà, il a fait ça aussi. Les noces funèbres. Il a fait aussi, qu'est-ce qui est connu aussi? Il a fait aussi Alice au Pays des Merveilles. Mars Attack, je ne sais pas si vous connaissez. Il a fait un Batman. Il a fait. C'est quoi ça? Non, je connais pas tous ces films. Bref, voilà ce qu'il a fait déjà. Ah, il a fait Charlie la chocolaterie aussi. C'est vrai, j'avais oublié qu'il avait fait Charlie la chocolaterie aussi. Ah, il a fait aussi le film de Dumbo. Le film de Dumbo aussi, il l'a fait. Voilà. Il a fait. Donc en 35 ans de carrière, voilà. Et ce qu'il a fait connaître, c'est qu'il a fait connaître vraiment, 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 vraiment. Non, j'allais vous dire une grosse connerie. Cette fois que je suis fatiguée. Donc en 35 ans de carrière, qu'est-ce qu'il a fait connaître? C'est le film Beetlejuice. Voilà. Parce qu'il a fait un super beau maquillage et il a été élu aux Oscars à cause de ça. Voilà. Bah, c'est ça qu'il a mis en scène, en avant. Voilà, c'est grâce à ça que du cinéma français, il a été connu. Parce que moi, c'est le cinéma américain qui l'a reconnu à la base. Mais après, c'est le cinéma français qui l'a aussi après reconnu. Voilà. En vous parlant de ça aussi, j'ai vu le Beetlejuice, donc je ne l'ai pas vu au cinéma. Voilà. Mais je l'ai vu quand même. Donc ça, pour moi, c'est une histoire qu'ils ont pris. Enfin, vous savez, la première histoire qu'ils ont fait, c'est une famille qui est décédée. Tac, tac, voilà, ils sont partis habiter dans une maison. Et en fait, contre les personnes qui étaient décédées, les personnes. Alors déjà, les premières personnes qui habitaient dans cette maison-là sont décédées. Ensuite, il y a eu, donc comme ils sont décédés, bah, il y a eu d'autres personnes qui sont venues habiter dans cette maison. Et les anciennes personnes qui sont, donc les personnes qui étaient décédées, ont voulu reprendre la maison, leur propre maison, à la base des bases. Mais quand tu es décédé, donc il y a des gens qui ont le droit d'habiter dans ta maison parce que ce n'est plus la tienne. Et ben non, ils ont voulu les faire partir. Voilà. Bref, c'était ça la première histoire. Et là, ils ont repris en moitié de ça pour faire une nouvelle histoire. Bref, avec une sorte de mariage. Alors que dans le premier, on ne voit pas ça. C'est une. Dans le premier, c'est une. C'est. Une famille. Bon, bref, voilà, vous avez compris. Parce que je confonds avec un autre film. Ouais, j'allais vous dire autre chose. Voilà. Et donc là, c'est. Ils ont pris un peu de ça. Ils ont. Ah, donc on sait. Je crois qu'ils ont dit c'est un remake ou un reboot ou je sais pas. Bref, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bref. Pour moi, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est une nouvelle histoire qu'ils ont inventée. En partant de la première histoire. Donc, t'as des petits. Pardon, tu as des petits morceaux de la première histoire que tu vois dans le premier, tu peux voir aussi dans le second. Aussi. Et donc, et donc, bah, voilà quoi. Donc pour moi, je crois, pour moi, je dirais plutôt que c'est une nouvelle histoire. Voilà. À ce que j'ai compris, à ce que j'ai vu, pour vous dire le premier, en parlant du premier et du deuxième, hein, voilà, que c'était ça. D'accord, ok. Là, je reste après. Désolée. Donc l'histoire, voilà. Pour moi, c'est une nouvelle histoire pour moi. Après, chacun est libre de penser comme il veut. Chacun est libre de penser comme il veut après, voilà. Ensuite, bah, franchement, moi, le film d'horreur, enfin, c'est pas vraiment un film d'horreur pour moi.
C'est un peu un film, enfin, c'est un peu. Il s'est fait un style à lui bien particulier. Voilà. Et dernière, je vous ai parlé de Stephen King. Et dernière. Voilà. Et là, cette année, je vous parle de Tim Burton. Voilà. Donc, je vous ai parlé, je vous ai dit, premier truc que je vous ai dit, c'était en quelle année il est né. Je vous ai dit que c'était un réalisateur, scénariste. Réalisateur cinématique américain, voilà, qui a fait beaucoup de films pour Disney, presque tous, hein, je crois. Voilà, donc moi, mon préféré, c'est, ah, mon préféré, je dirais pas, c'est mon préféré, enfin bref, dans ces films, vous voyez, parce que mon préféré, le préféré des films, vous savez, c'est pas ça du tout, voilà. Et moi, bon, alors moi, ce que j'aime bien, c'est le. C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et Edouard Madarjo. C'est les deux seuls que j'aime bien dans ce qu'il a fait. Voilà. Parce qu'après, les noces funèbres, voilà, je ne l'ai pas vu. Une noce funèbre, voilà. Il a son style bien particulier, comme je vous ai, comme je viens de vous dire, voilà. Et moi, c'est un style que j'aime bien. J'ai acheté sa biographie que j'ai pas fini de lire parce que c'est un bouquin. Il n'est pas très grand hein, comme ça, mais il est assez épais comme ça. Donc, de temps en temps, j'aime bien lire ça, voilà. Donc, quand vous voyez avec les bouts d'oreilles comme ça, c'est qu'on va faire une vidéo sur Halloween. Donc, on va parler d'un truc, d'un sujet, d'un thème, d'un truc d'Halloween. Voilà. La semaine prochaine, je vais vous tourner la vidéo parce que je peux pas vous tourner la vidéo. J'avais dit que je vous tournerai pas spécialement la vidéo avec les produits, mais peut-être que si, parce que je dois recevoir cette semaine, voilà, des DVD que j'ai commandé pour Halloween, pour faire ma journée d'Halloween. Donc je vais vous tourner toute la vidéo. Donc je vais faire deux vidéos. Je vais faire la vidéo de Vinted quand j'aurai tout reçu, hein, et je ferai la vidéo. Donc, je ferai un haul Vinted plus parce qu'il y en a pas mal de choses que j'ai pris sur Vinted. Donc, vous aurez la vidéo Vinted et après, vous aurez la vidéo que des DVD que j'ai choisi pour ma journée d'Halloween. Voilà. Ensuite, j'ai oublié. Bref, ça n'a rien à voir. Bref, ça va. Voilà. Donc, bah voilà quoi. Donc, je vous ai parlé de Tim Burton cette année. L'année prochaine, on verra sur quel. Dites-moi en commentaire si il y a quelqu'un que vous voulez que je parle en particulier, mais il faut que ça ait un truc qui soit sur le thème d'Halloween. Vous voyez, l'année prochaine, par exemple, je peux vous parler, vous raconter. Ah, peut-être l'année prochaine, je ferai ça. Peut-être que je ferai ça l'année prochaine de vous parler du thème. Alors, faut pas que je l'oublie. Hein, de comment est venu le mot Halloween. Et le pourquoi. Du comment ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresserait que l'année prochaine je fasse ça. On part sur ce thème-là parce que. Ou alors que vous avez d'autres thèmes à me présenter qui sont mieux. Mais toujours sur Halloween. Voilà. Si vous avez des idées, parce que moi, après, peut-être que je peux rechercher. Hein, après, vous savez. Et noter dans mon petit cahier. Dans ce magnifique cahier. Bah, pour noter tous les trucs que je fais. Toutes les vidéos que je fais. Voilà. Et sur les thèmes que je fais. Désolée. Je suis assez fatiguée, désolée. Voilà, donc, vous voyez, il y a des recettes. Enfin, bref, c'est pas le but de la vidéo. Voilà. Pour vous montrer qu'est-ce que j'avais fait l'année dernière, j'avais écrit. J'avais écrit, je sais plus. Donc, vous savez, les films. Comme ça, si vous connaissez pas ces films, bah. Allez voir. En barre d'infos, peut-être que je mettrai pas tous les noms des films, mais les films pour moi qui sont les meilleurs.
et que je connais. Voilà. Donc après, je n'en mettrai pas 3 tonnes non plus aussi. Voilà. Je vous mettrai les 9 funèbres, je vous mettrai Mars Attack, je vous mettrai. Ah oui, je crois que Mars Attack, ça vient de lui, je crois. Je me rappelle même plus. Je vais demander à Google, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, attendez. Je vais vérifier. Je crois, hein, je suis pas sûre à 100%, mais je crois que c'est ça. Attendez, parce que entre-temps, je reçois des messages. Alors déjà les gens qui ne parlent même pas en français, je comprends rien du tout. Bref, c'est sur Vinted. Bref, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je sais même plus ce que je voulais vous dire. Je suis désolée. Oui. On était parti sur un truc et après j'ai vu un autre truc et ça m'a perturbé. Vous voyez? Comment je suis? La vidéo elle part dans tous les sens. Je suis sincèrement désolée les amis. Est-ce que Tim Burton a réalisé Mars Attack? Selon Wikipédia, Mars Attacks, ou Mars Attack, au Québec, est un film américain de genre gore à l'humour noir caustique, réalisé par l'américain Tim Burton, sorti en 1996. Voilà, c'est bon, vous avez eu votre réponse. Voilà, oui, c'était ça, voilà. Donc, je vais vous mettre les films les plus connus. Parce que Mars Attack, moi, je me rappellerai toujours ça. Quand j'étais voir au cinéma, j'avais une amie à moi qui était avec moi. Elle dit, mais non, t'inquiète pas. Elle s'était planquée en dessous du fauteuil du cinéma, tellement elle avait flippé, elle avait eu peur, la pauvre. Ah, la pauvre, je l'avais fait voir de toutes les couleurs. J'espère qu'elle va bien, cette personne-là, parce qu'elle m'est très chère à mon cœur. Allez, voilà. Moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo, parce que je pense que je vous ai tout dit. Donc, en barre d'infos, vous verrez, je vous mettrai quelques noms de films, si vous ne connaissez pas. Comme ça, si vous avez envie d'aller les voir. Voilà. Je vais vous faire la vidéo de, alors comme je vous ai dit, de Vinted et puis de ma sélection que j'ai fait pour cette année. Voilà. Je vous ai parlé à peu près de ce qui allait se passer, parce que je vous avais dit, je savais pas si j'allais recevoir à temps ou pas les films. Normalement, si je reçois tout avant le 30 ou 31 octobre, je vous fais les vidéos. Sinon, j'essaierai de me débrouiller autrement pour vous dire à peu près ce que je veux. Ce que je vais faire. Bref, voilà. Et je vais. Et ben c'est tout. Voilà. Donc, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous et de vos proches parce que pour moi, c'est le plus important. Voilà. Et je vous remercie encore d'être là pour moi. Sur ma chaîne et de répondre aux commentaires quand il y a des gens qui laissent des commentaires bizarres, des mauvais commentaires, on va dire, voilà. Bah, je vous remercie à ces gens-là qui vont qui me soutiennent énormément sur la chaîne et qui leur répondent. Voilà, ça me fait énormément plaisir. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne 2. Et ben, la chaîne de qui? De Crystal. Bisous les amours, je vous aime.